Allô? Coucou ma puce, c'est maman. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu avances mieux dans ton livre? Pas tellement. Je galère, mais bon, ça va venir. Donc c'est pour ça que tu vas plus au rendez-vous? Bon, écoute maman, ça va mieux, d'accord? Lâche-moi avec ça. Ophélie, tu me reconnais pas? Camille? Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu ton nom sur une boîte aux lettres en sortant de chez le kiné et j'avais envie de te revoir, ça fait tellement longtemps. Ouais, ça fait super longtemps, mais attends, qu'est-ce que tu deviens? T'es devenue danseuse finalement? Ouais, je suis devenue danseuse et bon, c'était pas facile, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, mais toi, raconte, qu'est-ce que tu deviens? Bah moi j'écris un livre, enfin j'essaye, mais c'est sur une danseuse justement, c'est marrant. Attends, sur une danseuse, mais c'est incroyable, mais je peux t'aider si t'as des questions. Tout le monde pense que la danse moderne, c'est moins exigeant et moins technique que la danse classique. Mais en fait, pas du tout. Chaque style a ses difficultés, mais quand tu danses, le ressenti reste le même. T'es euphorique, tu vois. C'est comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Parce que quand tu danses, t'as l'impression de plus appartenir à ce monde. Tu te transcendes, en fait. C'est vachement mieux comme ça, non? Ouais. Bah t'as l'air super heureuse en tout cas. Je le suis. Tu te souviens du rêve que j'avais quand j'étais petite? Je voulais intégrer la compagnie Astéria, tu sais, la troupe de danse. Mais si, avec le chorégraphe Benjamin Horry. Ah oui. Oui, Benjamin Horry. Ouais, je me souviens bien de lui, tu parlais de lui tout le temps. Ben oui, c'est un génie. Mais bon, mon profil correspond jamais à ce qu'il recherche et je reste toujours au stade des entretiens. J'ai une autre question à propos des répétitions. Allô? Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Non, dis-moi. Après mon entraînement hier soir, je suis allée dans un bar et j'ai vu Benjamin Horry. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, mais attends, c'est pas fini. J'ai été lui demander la date des auditions de son prochain spectacle. Il m'a dit qu'elles allaient bientôt commencer et qu'il espérait m'y retrouver. Attends, mais c'est génial, mais t'as réussi à avoir un rendez-vous? Non, je me suis mise à danser devant lui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était incroyable. J'avais l'impression que ma vie se Et décidait à à cet cet instant instant précis. précis, elle repensait à ses rêves, des rêves presque aussi vieux qu'elle. Elle l'avait fait. Et lorsque des semaines d'entraînement plus tard, ce même homme qui la regardait avec admiration lui annonça qu'elle avait obtenu un des rôles principaux, elle ne put s'empêcher de penser qu'elle n'avait pas fini de réaliser son rêve, mais qu'elle vivait en plein rêve.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas... Le numéro que vous avez... Maman. Ça fait des semaines que tu réponds pas. J'allais prendre un billet pour venir te voir. Maman, est-ce que t'as encore le numéro des parents de Camille ? Camille ? Mais quelle Camille ? Camille, il y en a pas 50, ma meilleure amie.